Bonjour, je suis Lolita Lumpica. Les fêtes de fin d'année approchent. Peut-être pensez-vous mettre du foie gras au menu de votre prochain repas de fête. Vous le savez sûrement, le foie gras provient de doigts et de canards qui ont été gavés. Mais vous ne savez peut-être pas que seuls les canards mâles sont utilisés pour fabriquer du foie gras. Parce que leurs foies ne sont pas assez rentables, les petits canetons femelles sont généralement tués dès la naissance, broyés vivants ou gazés. Hélas, c'est ainsi que commence la production de foie gras en France. Après quelques semaines, les canards mâles, eux, n'échappent pas au gavage. Regardez, ces images proviennent de trois élevages différents situés dans le Périgord. Tous font de la vente directe. Nous sommes loin de l'élevage industriel, et pourtant. Vilaine celle-là, elle a été vilaine petite, elle le restera toute. Ah ouais, sale caractère. Ouais, arrête. Les animaux qui sont utilisés pour leur foie gras vivent un calvaire. Pensez qu'un foie gras acheté, c'est un caneton qui a été tué, éliminé, en plus d'un canard qui a été gavé, qui a produit ce foie gras. Il y a un décalage énorme entre ce que véhicule le foie gras, les fêtes de fin d'année, la fête, le champagne, entre amis, on va déguster quelque chose qu'on trouve bon. Mais ce petit plaisir, bon, c'est tellement de souffrance. C'est la réalité, elle est là. Elle est là, on va sacrifier des animaux qui ne méritent pas ça. Juste pour le glamour. Non, c'est pas du tout glamour, le foie gras. Pas du tout. C'est horrible. S'il vous plaît, pour les animaux, faites comme moi. Refusez le foie gras.